Allô, Fred? Oui. Fred, tu vas faire un coup quand même assez chiant à ton ami Julien. Bon, chien, c'est un grand mot, là, mais... Ben, écoute, tu vas quand même lui faire croire que t'as frappé un itinérant et que tu l'as mis dans ton coffre de char. C'est très bon. OK, on va appeler Julien tout de suite, et puis Fred, ben, c'est à toi de jouer. OK, parfait. C'est parti. Hello? Julien? Quoi? Oh, fuck, OK. My God, t'es-tu au bureau? Même pas. OK, t'es-tu tout seul? Ouais. OK, je capote, même. Tu comprends juste pas, là. Faut vraiment que tu m'aides, Chris. Je suis même pas capable de réfléchir. Faut absolument que tu m'aides, là. OK, qu'est-ce que t'as, man? Gars, j'avais une présentation super importante au bureau, puis hier, mon burner a chié. En tout cas, grosse histoire, le mini m'a burné ma présentation. Je viens d'aller la chercher à son bureau, puis il fallait que je me grouille pour revenir, puis Chris, j'ai frappé quelqu'un, ici. T'as frappé quelqu'un dans la rue, en auto? Ouais, Chris. Faut vraiment. Mais là, t'es où, là? T'es dans ton auto? Ben oui, mais je suis à côté, là. En tout cas, mais Julien, c'est parce que tu comprends pas, là. Je suis cave, si. Il bougeait plus, même. Je pouvais pas le laisser là. Je l'ai mis dans le coffre, Chris. Tu l'as mis dans le coffre? Non, écoute, je réfléchis pas, si. Faut que tu fasses de quoi? Je suis coin de la commune, pis c'est un grise. T'es où, ça, dans le vieux? Ouais, c'est dans le vieux. Je pensais que. Hey, man, Julien, tu comprends pas, là. Attends, là, je suis en auto, là. Laisse-moi le temps d'arriver, là. OK. Gars, écoute, je sais que c'est fucké, là, mais tu penses qu'on peut prendre le bateau ou quelque chose? Je peux pas garder ça, là, même. J'ai du sang sur moi, fuck. Essaye d'aller dans... Tu peux aller à une place parce que il y a moins d'auto? Gars, es-tu capable de conduire, toi, là? Je sais qu'en ce moment, je sais pas si je suis capable. T'es pas capable de conduire, ben, check, reste là, là. Puis, je vais rester sur le téléphone avec toi, puis il va me rendre à côté de toi dans 5 minutes, OK? Le gars, il est comme mort? Ben, je sais pas, je pensais que oui, puis il bougeait pas, puis c'est un petit frêle, genre, il doit peser 60 livres, man. Là, t'as pas d'autre linge, j'imagine? Non. Julien, si, t'entends? Ouais. Calisse, man. Je fais quoi? Ben, va l'ouvrir la porte, là. Tu veux la porte? Julien, Calisse, je fais quoi? Va ouvrir la porte, puis... Puis quoi, j'ai dit sortir? Mais il m'a dit que c'était correct, puis tu dis que tu l'as porté à l'hôpital, là. Ben là... Calisse, attends un peu. Pourquoi t'appelles pas la police, man? Mais t'es pas rien! Mais pas que tu vas rien, tu expliques, là. Tu dis que t'es dans un état de choc, ils vont comprendre, là. Attends, je crie, OK, j'ai pas le choix, faut que j'y ouvre, man. Il y a des gens qui marchent dans le coin. Attends, je vais ouvrir. Oh, tabarnak. Oh, shit. Hey, oublie, man, je peux pas appeler la police. OK, je vais aller. Mais, va-t'en au moins dans une ruelle, là. OK, c'est beau. Pourquoi le téléphone? Allô? Qui parle? C'est un ambulance, tu sais. Allô? Puis, Frédéric, il est où, là? Mais il parlait au conducteur. C'est un malade! Il m'a frappé, il m'a mis dans le coffre! Viens me chercher, man, vite, un malade! Qui parle? C'est Jean-Charles. Jean-Charles? Non, c'est pas Jean-Charles, c'est Julien. Julien, t'es dans les justiciers masqués, c'est quoi? Pas vrai! Oui! Fred vient de te pogner, mon vieux! Tu es sale!